Qu'est-ce que tu fais là? Caroline Maslow, 20 ans. Elle vit ici depuis 4 mois chez son beau-père, Henri Dorval. Il possède plusieurs clubs de plongée sur toute la côte. Dorval vit seul avec sa belle-fille? Non, non, la mère de la victime, Béatrice Maslow, vit ici également. Mais apparemment, elle dormait chez une copine. Depuis 3 jours. Des problèmes dans leur couple? J'imagine, mais bon. On l'a prévenue, elle va pas tarder à arriver. C'est l'arme du crime. Original, non? Un fusil de chasse sous-marine. Apparemment dénué d'empreintes. Le tueur a fait le ménage. Vu l'angle de pénétration et la violence de la blessure, je dirais que la flèche a été tirée de face, à environ 3 mètres de la victime. Ils étaient proches. Elle est restée face à lui, comme ça. La victime n'a pas fui. Tu veux dire qu'elle connaissait son agresseur? Certainement. Une idée d'heure de la mort? Rigidité cadavérique en évolution, donc moins de 3 heures. Je dirais vers 7 heures du matin. D'accord. Le portail à l'entrée, il y a un code. Si l'agresseur était là, peut-être quelqu'un lui a ouvert. Dorval dit que le fusil de chasse appartient à sa belle-fille. Il est toujours rangé dans l'armiste. Caroline m'a appelé à 1 h du matin. Elle était dans un bar, seule. Et pas vraiment en état de rentrer avec son scooter. Tiens, mon soleur, viens, prends un petit dernier verre pour la route. Je crois que t'as trop bu, hein, Caro. Et ça lui arrivait souvent de boire seul dans les bars? Ça lui arrivait. Pourquoi? Allez savoir. À cet âge-là? Non, moi je suis Dorval, non. À cet âge-là, on boit pas seul dans un bar, non. Elle avait une amie, un petit copain? Elle en avait un, elle en avait plusieurs. Alors pourquoi c'est vous qu'elle m'a dit de venir la chercher? Elle aurait très bien pu demander à sa mère. Béatrice ne supportait pas de l'avoir dans cet état. Moi, je suis son beau-père, elle savait que je lui dirais rien. Ça me dérangeait pas de l'aider. Dans ce bar, elle s'est disputée avec personne. Elle aurait pu faire une mauvaise rencontre. Elle m'a rien dit. Et en arrivant chez vous, rien d'anormal. Il aurait pu y avoir quelqu'un, non? Vous n'avez pas aperçu une ombre, une silhouette? J'ai rien vu. J'étais fatigué, Caroline aussi. Après, je suis allé me coucher. Et à part boire dans des bars, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre, Caroline? Fac de gestion. Mais la plupart du temps, elle était à la mer. Sa véritable passion, c'est la plongée sous-marine depuis qu'elle est toute petite. Elle a pris dans un de mes clubs. Pourquoi vous n'avez pas dormi là, Madame Maslow? Écoutez, ma fille vient d'être assassinée, j'ai pas envie de parler. Au contraire, les 48 heures après un meurtre sont déterminants, Madame. Même les choses les plus dures à dire sur votre fille, ce qu'elle faisait, en bien ou en mal, il vaut mieux m'en parler. Maintenant. Depuis le départ de son père, Yes, moi, est-ce qu'elle vous aide bien à part la plongée? Je sais plus. Grâce du temps, elle séchait la fac, buvait, elle faisait n'importe quoi. C'est pour ça que je suis partie quelques jours chez une amie. J'en avais besoin. Caroline était très attachée à son père. Moi, j'étais visiteuse médicale. J'étais toujours en déplacement. Comme l'argent rentrait pas, fallait faire vivre la famille. Du coup, c'est surtout lui qui l'a élevé. Ah, Béa! On t'attendait. On est prêts pour partir en mer. J'ai 10 heures de route dans les pattes, j'ai traversé la France et tu me fais venir ici pour aller en mer? Mais je vais faire du bateau, c'est super, mais désolée, je suis crevée.
J'ai envie de me coucher, je rentre. Béa. Béa, allez, quoi. Hé, hey, mon ange. Maman. Henri était l'ami d'Antoine. Il lui avait vendu son voilier. Caroline faisait de la plongée dans ses clubs. On se voyait très souvent. On s'est rapprochés. Antoine l'a découvert, il a disparu du jour au lendemain. 2 mois plus tard, on s'est installé ici, chez Henri. Merci pour les fleurs, chérie, elles sont très belles. Bon anniversaire, maman. Combien de fois je vais te le répéter, ton père et moi, on ne s'entendait plus. Si tu l'avais pas trompé, il serait encore là. Henri ou pas, ça n'a rien à voir. Je t'assure, on se serait quittés. Je m'emmerde, Henri. Après tout ce que tu nous as fait, tu devrais plutôt le remercier. Ok. Alors merci, Henri. Caro, arrête de le juger. Ton père a toujours pensé qu'à lui. Et à moi. Oui. À toi aussi, chérie. Alors pourquoi il m'a laissé? Pourquoi il est parti sans rien me dire? Pas un mot, pas une nouvelle en 6 mois. Il m'aimait, je le sais. Pourquoi il ne m'appelle pas? Hein? Où il est, maman? Je sais pas. Je sais pas, Caro. Mais n'en veux plus à Henri ni à moi. On est là, nous. C'est ton père qui est parti. Vous avez dit à votre fille, après tout ce que tu nous as fait, vous vouliez dire quoi? Elle a accusé un homme de viol. Attends. Diego Costa, il a 27 ans. Il a été moniteur de plongée dans un des clubs du beau-père de la victime. C'est lui qu'elle a accusé de viol. Mais elle s'est rétractée 15 jours après. Affaire classée sans suite. Pourquoi faire un truc aussi dingue? Affaire classée, ça veut pas dire que c'est rien passé. Bah, c'est vrai, mais jusqu'à preuve du contraire, on s'en tient au jugement. Hein. Peut-être qu'il voulait pas d'elle et ça l'a humilié. Hein. Ou alors il sortait avec une autre fille. Apparemment, Diego Costa l'a échappé belle. Hein. 2 jours de préventive, s'il était tombé sur un juge retors, il aurait pu prendre 10 ans. Ah oui. Après, Dorval l'a licencié. Moi, tu vois, à sa place, j'aurais encore la haine. Pour ce Costa? Il a retrouvé du boulot dans un autre club de plongée. Ah oui. Bien. Monsieur Costa? Gendarmerie section de recherche. Nous venons au sujet de Caroline Maslow. Deux petites secondes. Vous m'attendez au Zodiac? J'arrive. Qu'est-ce qu'elle a? Elle m'accuse encore de viol? Oh, on aimerait bien, oui. Caroline Maslow est morte, monsieur Costa. Assassinée. Pardon, je ne savais pas. Morte comment? Un fusil de chasse sous-marine l'a tué. Ah, et vous croyez que c'est moi qui ai fait ça? Écoutez, moi, je suis passé à autre chose, d'accord? Cette histoire est réglée. Ah ouais? Pourtant, vous m'avez l'air encore bien tendu, non? C'est normal. Après ce que j'ai vécu. On essaie de comprendre pourquoi Caroline a fait ça. Parce qu'accuser quelqu'un de viol, franchement, c'est pas anodin. Écoutez, moi, franchement, j'en sais rien. Je la connaissais depuis longtemps, je travaillais dans le club de son beau-père. J'ai même donné des cours. Puis quelques semaines après la disparition de son père... Tu sais, je crois que t'es ma meilleure élève, Caro. Bientôt, t'auras ton niveau 3, tu pourras descendre partout. C'est parce que j'ai le meilleur prof, hein. Non, mais c'est vrai. Avec toi, on a envie d'apprendre. Tout apprendre. Je te plais? C'est pas la question. C'est pas une réponse. Après, elle m'a aguiché pendant des semaines. Moi, j'essayais de l'éviter comme je pouvais. Puis j'ai craqué. Non, mais c'est pas possible, je connais Diego, il a pas pu faire ça. Je te jure, Diane. Non, mais vous allez pas croire cette dingue? Je l'ai pas violée. C'est elle qui... Diane, tu sais que c'est... Salaud.
C'est elle qui a... Diane! Vous venez de faire l'amour. J'ai pas compris. Vous étiez où cette nuit, monsieur Costa? Ici. J'avais une sortie nocturne et des bouteilles à remplir. J'ai dormi là. Et vous n'avez pas bougé? Non. Pas petit matin, à l'aube? J'avais une sortie en mer à 8h. Quelqu'un peut témoigner de votre présence ici? Non, mais écoutez, franchement, pourquoi j'aurais fait ça? Dans un sens, elle m'a plutôt rendu service. Diego, vous êtes un bon moniteur, mais je ne peux pas vous garder. Vous comprendrez qu'après ce qui s'est passé... J'ai rien fait. Bien sûr, vous pouvez demander des dommages et intérêts à Caroline, c'est-à-dire vous attaquer à sa famille, à sa mère et moi. Mais ça va prendre des mois, j'ai un très bon avocat. Vous obtiendrez peut-être quelque chose ou peut-être rien. Sinon, voilà 90 000 euros et on en reste là. Et ma réputation? Mais elle est là, 90 000 euros. Vous pourrez racheter le petit club de Beaulieu. Il est à vendre. Je connais très bien le proprio. Vous me dites oui et je vous arrange le coup. Mais ça reste entre nous, bien sûr. Hein. L'argent contre votre silence. Henri? T'es encore là, toi? Caroline, la prochaine fois, c'est la tôle. Et je te prie de croire que je serai pas là pour t'aider cette fois-ci. Moi, j'ai pris le fric. J'ai racheté ce club. Et Caroline, j'en ai plus jamais entendu parler. Sa mère parce que je l'aime et que je tiens à elle. Je voulais éviter un procès et essayer de calmer les choses. Les adhérents sont partis, j'ai dû revendre deux clubs à cause de Caroline. Mais elle savait que pour sa mère, j'aurais tout fait. Tout. Mais pourquoi cet acharnement pour vous détruire? Toujours à cause de son père? Oui. Antoine! Antoine, t'es là? Ah. Et vous venez dîner à la maison ce soir? Béatrice a déjà dit oui. Ah ouais? Elle t'a dit ok avec l'autre aussi? Hein? Tu te la tapes pendant que je pars en bateau avec ma fille? Classe. Bah Antoine, je comprends pas de quoi tu parles. Ah, de quoi je parle? J'ai lu un texto sur son portable. Tu me manques, mon amour. Bon, d'habitude, je regarde pas, hein, mais là, je sais pas. Une intuition. Je vais t'expliquer. Mais pas ici, si tu veux bien. Mais moi aussi, j'aurais préféré t'en parler ailleurs. Seulement, tu vois, voir ta sale tronche oser me parler de Béatrice. Papa, c'est quoi cette histoire? Je suis désolé, Caro. Mais ta mère me trompe avec Henri, mon meilleur pote. Quoi? Eh ouais, ma chérie, c'est ça la vie, hein? Ta mère va se barrer avec Henri. Tout ça me dégoûte. Moi aussi, je vais me barrer, tiens. Je vais foutre le camp. Antoine. C'est ce qu'il a fait finalement. Un jour, Antoine est parti sans rien dire à personne. Même pas à sa fille. Il a tenu sa vengeance. Avec elle, il voulait nous détruire, Béatrice et moi. L'histoire du viol, l'argent donné au moniteur, votre couple qui risque de sombrer. La nuit dernière, vous en avez peut-être eu assez? Vous entendez Caroline se lever? Vous la suivez? Vous étiez que tous les deux? Ce n'est pas moi qui ai tué Caroline. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que t'as à être pressé comme ça là? C'est quoi? C'est ton nouveau mec, c'est ça? Ouais. Il m'emmène à l'opéra. À l'opéra? Mmh. Monsieur t'emmène à l'opéra, le grand jeu. Mais toi, tu fais quoi ce soir? Moi, ce soir, je fais une soirée rock'n'roll avec des vieux potes à la maison. Des potes? Ouais, il y aura des mecs, des nanas. Truc cool, quoi, tu vois. Ok. Bah, bonne soirée. Ah non, non, non. Martin, tu vas pas recommencer avec Sonia. Arrête, bordel, t'as assez pris pour un con. Là. Ouais, je trouve aussi, oui. Trouvé plus court? Hein? Non. Et pourtant, j'ai cherché. Hein. Tiens, viens, chérie. Hein? Tu vas dans le salon, tu regardes les dessins animés, j'arrive.
Qu'est-ce que je veux dire? T'as annulé l'opéra? Ah non, 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 j'y vais là. Mais ce matin, en passant prendre, j'ai oublié mon portefeuille. Voilà, là, sur le... la table. Et moi, un problème de babysitter, alors du coup, j'ai reporté la soirée. De babysitter? Mais c'était pas chez toi, la soirée? Si, oui, mais avec le bruit, tout ça, je préférais faire ça ailleurs. Bon. Comme Elliot à l'école demain matin. Ah ouais, d'accord. Attendez, là, c'est... Hein? Une générale? Hop, pardon. Non, c'est pas lui, ça. Ah bon? Bon, bah, bonne soirée, alors. Bonne soirée. Bisous, Elliot. Bisous. Voilà où Dorval est allé chercher la victime. Il est bien 1h du matin. Il passe là, avec Caroline à son bras. Rien de spécial. Sauf que, juste avant, il y a une jeune fille qui sort du bar, qui monte dans sa voiture et qui a l'air de les attendre. Et au moment où Caroline et Dorval montent dans la leur, elle démarre et elle les suit. Avec la plaque, j'ai trouvé le nom du proprio. Une certaine Diane Villers, 24 ans. Diane. Attends, moniteur de plongée, la Diego Costa nous a parlé d'une Diane qui était l'amie de la victime. C'est son assistante. Elle bosse dans son club de plongée. Ah oui. Mademoiselle Villers? Quel dernier c'est? Merde, mon portable. Ah, c'est moche. Ah, il va beaucoup moins bien marcher maintenant, c'est sûr. Hein. J'espère qu'il n'y a rien d'important sur ce portable. Enfin, rien qui nous concerne. Qu'est-ce qu'il y a maintenant que tu voulais pas nous montrer? Rien. Il y a des trucs perso. Un peu vague, mademoiselle. Faites un effort. Il y a des photos plutôt osées, avec un type qui a fait de la prison. Alors c'est mieux, mais pas convaincant pour autant. Alors on va employer une autre méthode. Stéphane, tu veux bien donner ça à Vicky, s'il te plaît? Merci. On vous écoute? Non mais c'est vrai. Je voulais pas que vous tombiez dessus. Vous imaginez si vous le dites à mes parents? Écoute-moi bien, tu continues comme ça, on te colle au placard pour meurtre. Mais j'ai pas tué Caroline! On s'est rencontrés au club de plongée, on est devenus des amis. Ça va, meuf? T'as fait la tronche toute la journée? Ça fait 3 mois aujourd'hui que mon père a disparu. Il est mort? Disparition volontaire. C'est pareil pour moi. Depuis son départ, il m'a jamais donné signe de vie. Mais t'as vu les flics ou pas? Ouais. Mais bon, on n'ouvre pas une enquête pour quelqu'un qui part. Il avait fait ses valises, il a pris son bateau. Tu l'aimais beaucoup? Il était tout pour moi. Tu sais, peut-être qu'il ose pas t'appeler parce que... il voit une meuf. Il n'y a aucune meuf qui pourrait l'empêcher de m'appeler. Entre nous, c'était trop fort. Des fois, je me dis qu'il est mort. Ou qu'on l'a tué. Mais si c'était ton ami, pourquoi tu l'as suivi comme ça l'autre soir en te cachant? J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle fasse une connerie. Connerie, mais quoi comme connerie? C'est une grande fille, quel genre de connerie? Après l'histoire avec Diego, quand elle m'a dit qu'il avait rien fait, je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas chez elle. Elle aimait son père, elle faisait n'importe quoi depuis son départ, c'est ça qu'elle allait pas? Ouais, je pensais ça aussi. Mais il y a 2 jours... Au revoir les filles. Au revoir. Non mais attends, tu joues à quoi là? T'as vu comment tu mates ton beau-père? Tu veux te le taper ou quoi? Bah, il est mignon je trouve, non? Non mais sérieusement, à quoi tu joues là? Je comprends pas. Déjà t'as mis top Diego et t'as violé, maintenant tu veux te taper ton beau-père? Y'a vraiment un truc qui tombe pas rond chez toi.
Mais en fait, laisse-moi, meuf, tu connais rien de ma vie. Enfin. Non, je connais rien de ta vie, mais crois-moi, pour vouloir se taper son beau-père, faut vraiment être une malade. Hein. Mais sérieusement, t'es qui pour me juger? Vous y avez cru? J'ai trouvé ça dingue. Elle est tellement obsédée par son père que... Je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être une relation pas normale, vous voyez? Attendez, là, on est d'accord que vous parlez de relations incestueuses? Je sais pas, peut-être. Mais elle est tellement bizarre. Je me suis dit que son beau-père devait peut-être lui rappeler son père et que... Bah, son truc, c'était peut-être les vieux. Ok. Donc t'as suivi ton amie pour vérifier si elle était pas attirée par les vieux, c'est ça? Oui. Et tu l'as suivi jusqu'où? Jusque chez son beau-père? Ouais. J'ai trouvé une entrée derrière la maison. T'as pas vu grand chose, hein? T'es sûre de rien? Non, je sais pas, je me suis peut-être fait des films. En même temps, quand on est amoureuse, on fait pas ça. Amoureuse? Elle avait un petit ami? En fait, après notre dispute, j'ai voulu m'excuser et... Non mais je ferais mieux de partir, de venir vivre avec toi. Moi aussi, je t'aime. Et vous savez qui c'est? Non. J'en ai aucune idée, elle m'en a jamais parlé. Alex, vérifie le bornage du portable de Diane. Il y a deux jours, les deux amis se sont engueulés et du coup, avant-hier soir, Diane a suivi Caroline. Si ça se trouve, ça a dégénéré, elle a tué. D'autant que le portable de Diane nous cache quelque chose. Plus pour longtemps, mon capitaine. J'espère. Caroline, cette jeune fille, c'est quand même n'importe quoi. Elle tape de l'oseille à son beau-père, elle a fait le mettre sur la paille. Elle voulait qu'elle quitte sa mère, et au final, elle aurait quand même voulu se le faire. Elle se sent très mal dans sa peau, c'est de la provoque, enfin moi je vois que ça. On sait plus que de la provoque, il y a une escalade dans sa façon d'agir. C'est comme un appel au secours, comme si elle voulait qu'on comprenne. Et vous pensez que son père abusait d'elle, et que depuis elle avait des problèmes avec les hommes, c'est ça? Je sais pas, mais elle était malheureuse, ça je le sais. Et c'est qui son mec? Ce qu'on sait, c'est qu'elle l'appelait devant sa copine Diane. Désolé, mais j'ai rien trouvé sur sa ligne. Hein. Aucun appel ce jour-là. Elle a parlé à un fantôme. Et ou alors elle avait un deuxième téléphone? Juste pour lui? Alors? Rien de spécial. Vous avez déjà fouillé, vous cherchez quoi encore? Capitaine, venez voir! Je crois que je l'ai trouvé. Qu'on cherche, madame Maslow? Téléphone portable, la carte prépayée, pour qu'on ne le retrouve pas. Un seul numéro apparaît. Montre. Sûrement celui du petit ami. Diego? Diego Costa, le moniteur de plongée? C'est pas possible. Pas après ce qu'il a fait. J'avais accepté l'argent de son beau-père, mais ça me suffisait pas. Je voulais savoir, je voulais comprendre pourquoi Caroline m'avait fait ça. Puis un jour, on s'est recroisés. Caroline. Caroline. Ça va pas, t'es complètement déshydraté. Tiens. Attends, t'es allée plonger toute seule, là? Tu sais que c'est complètement interdit, tu peux te tuer. Dis donc, t'es pas rancunier, toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Pour faire chier mon beau-père. Je sais, c'est dingue, je deviens folle. Je suis désolée. Ça va aller. Après, on s'est revus et on est tombés amoureux. Seulement à cause de l'affaire et de l'argent pris à son beau-père, il fallait pas qu'on voit tous les deux ensemble. Sinon, vous aurez accusé d'escroquerie. On a trouvé ça dans la chambre de Caroline, dans le faux plafond avec le téléphone. Une carte détaillée du littoral. Départ papa, 7 mars 2017, mer calme, vent force 2. Visiblement, Caroline est à la recherche de son père.
Elle croyait sans doute qu'il avait péri en mer. Puis d'après cette carte, ça devait être dans cette zone. Vous le saviez? Oui. Caroline m'avait mis au courant. Elle n'imaginait pas que son père leur ait laissé sans nouvelles. Mais on a commencé à chercher et moi je lui ai fait un coup de main. Évidemment, moi j'y croyais pas au départ. Mais elle avait raison. Vérifier, l'épave est toujours au fond. Aucun caisson. Deux vertèbres cervicales brisées, mais difficile de dire si c'était un accident ou un meurtre. Pour un meurtre, quand faut-il qu'il y ait un tueur à bord? Un tueur possible, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Normalement, sur le pont, il y a un caisson blanc attaché. Il n'y est plus. C'est le radeau de survie. Il n'y a plus de l'attaché? Impossible, on peut faire ça qu'à la main. Donc, quelqu'un est sorti en mer avec le père de Caroline. Bon, le voilier heurte un rocher. Le bateau coule, et ensuite l'inconnu, on profite pour se débarrasser du papa. Il revient avec le radeau de survie, seul. Le crime parfait. Pourquoi Caroline n'a pas appelé la police? Elle avait vu qu'il manquait le radeau de survie. Elle voulait savoir qui était sur le voilier avec son père. Être sûre avant d'en parler à quelqu'un. Et elle a trouvé? Oui. Dans la troisième plongée. Il y a une semaine. Caro, il y a quoi dans ce que t'as remonté du bateau? Diego. Ce collier. Ma mère. Pourquoi elle a rien dit? Peut-être qu'ils se sont disputés. Ils ont pas vu le rocher et mon père est tombé. Si c'est un accident, juste un accident, ça sert à quoi que je parle, hein? Et si c'est ma mère qui l'a poussé? Si c'est un meurtre? Elle dira jamais la vérité, elle dira le contraire, tu comprends ou pas? On pourra rien prouver, rien. On n'avait aucune preuve. Caro avait raison, si ça se trouve c'était un accident. Et si Caroline avait vraiment parlé à sa mère? C'est peut-être ce qu'il a tué. On a retrouvé ce collier dans le bateau. Votre ex-mari était dedans. À 40 mètres de fond. Alors vous avez fait coup double. Non. Vous étiez sur le bateau, oui ou non? Non. Alors pourquoi votre collier se trouvait dessus? Oh mon Dieu. Oh non, il n'a pas fait ça. Qui n'a pas fait quoi, madame Asselin? Le jour de la disparition d'Antoine, j'étais avec Henri chez lui le matin. Mais j'ai dû y repasser en fin de journée. Henri? Béa, t'es là? T'es revenu? Qu'est-ce que tu fais là? Mon collier. Je crois que je l'ai oublié dans ta chambre. Oh, t'inquiète pas, je l'ai pris ce matin. Pourquoi tu l'as pas perdu? Je
suis passé boire un verre au club, je voulais te le rendre là-bas. Oui, alors. Je comprends pas, on a dû me faire les poches. Je le retrouve pas. Merde. C'était un cadeau d'Antoine. Il va s'en apercevoir. Désolé, chérie. Je vais te le retrouver, je te promets. Henri, c'est plus possible, nous deux. Antoine ne mérite pas ça, Caroline non plus. Je vais les détruire, faut qu'on arrête. Mais Béa, tu m'as dit que tu l'aimais plus. Je sais pas, je suis fatiguée. D'ailleurs, il est où? J'ai appelé, il est pas rentré au port, tu l'as vu, toi? Je sais pas, je l'ai pas vu, je sais pas où il est. C'est pas dans ses habitudes. À cet instant-là, votre mari était déjà mort, Madame Maslow. Au fond de l'eau. C'est votre fille qui a retrouvé le collier. C'est pour ça que ma fille, elle avait changé cette dernière semaine. Elle était encore plus agressive avec moi. J'ai rien vu. Je l'ai laissé sombrer. J'ai pas cherché à comprendre. Il est mort à cause de moi. Pardonne-moi, ma petite fille, pardonne-moi. Ça va, chérie? En fait, t'en as rien à foutre, toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Caroline, une dernière fois, ton père est parti. Tu l'as tué. Et je finirai par le prouver. Maintenant, ça suffit, tu dépasses les bornes. Retire ce que t'as dit. C'est après cette dispute que j'ai quitté la maison. J'en pouvais plus. Ma fille est morte en croyant que j'avais tué son père. Béatrice, je suis désolée. C'est le minimum de tuer Antoine. Et ma fille? Parce qu'elle t'avait parlé du bateau, c'est ça? Non. Au fond, toi, tu pensais que ça marcherait pas, nous deux. T'as eu qu'un seul moyen de me retenir, c'est tuer Antoine. T'es qu'un monstre. Je sentais bien que Béatrice n'était pas heureuse. J'étais avec elle ce matin-là. Mais on s'est pas touché. On n'y arrivait pas. Je me sentais mal, moi aussi. Alors j'ai décidé d'aller m'expliquer avec Antoine. Antoine, faut qu'on se parle. On s'est tout dit, non? Je m'en vais. Je vous laisse tranquille. Je prends le large. Et je reviendrai plus. Mais personne ne sera heureux, ça ne marchera pas, on va tous se déchirer. Allez Antoine, laisse-moi monter. On se parle et après tu décideras, d'accord? Non. Antoine, écoute-moi. De toute façon, Béatrice, elle va me quitter, je le sens. On est allé faire un tour en mer. Il m'a laissé parler. Il était très amer. On l'avait trahi, Béatrice et moi. Et puis, il m'a dit que c'était trop tard. Il a voulu me ramener au port. On n'a pas vu le rocher. Il a fendu la coque. Et Antoine est tombé brutalement dans la cabine. Antoine ! C'est là que j'ai dû perdre le collier. Et après, j'ai pris le radeau et je l'ai jeté à la décharge publique. Débarrassé du mari, vous avez gardé sa femme. Plusieurs fois, j'ai essayé de lui dire, mais plus le temps passait, je l'aimais passionnément.
Et Caroline, comment lui annoncer que son père était mort? Mais je préférais qu'elle croie qu'il était encore vivant. Caroline n'a rien dit à sa mère. Mais à vous, elle aurait pu se confier. Puisqu'elle pensait que vous n'étiez pour rien dans la mort de son père. Vous avez eu peur que la vérité éclate. Que Béatrice l'apprenne. Vous l'avez tuée. Non. Tiens, mon sauveur! Viens, Henri, un petit dernier pour la route. Bah, Caro, là, je crois que t'as trop bu, hein. Allez, prends quelque chose pour te détendre. Qu'est-ce que tu fais là? T'as le droit, maman, on n'est pas là. Oh, mais calme-toi. Après, tu me ramènes, on va s'éclater. Mais arrête ça tout de suite. Tu vas pas, non? Je sais que t'en as envie. Caro, pourquoi t'es si malheureuse, hein? On te fait autant de mal, ta mère, hein? Mais arrête tout de suite. En plus, t'amènes des copains à toi pour filmer tes saloperies, c'est ça? Tu veux montrer des images dégueulasses à ta mère, hein, pour qu'elle me quitte? Tu te fous d'elle. Cette salope a tué mon père. Je l'ai retrouvé au fond de son bateau. Caro, c'était pas ta mère qui était sur le bateau, c'était moi. Je suis monté sur le bateau pour parler à ton père, pour lui dire que on allait se quitter avec ta mère, tu comprends? Mais on n'a pas vu venir le rocher, ça a été tellement violent, il est tombé dans la cabine et il est mort sur le coup. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi? J'aimais ta mère, j'avais peur de la perdre. Et puis plus le temps passait, plus je me disais que t'allais quand même pas découvrir ton père mort dans son bateau, que ça te détruirait. Mais ce qui est arrivé après est bien pire. T'as détruit nos vies, Henri. Tu parles et t'as eu tort. T'as raison, je sais. Je sais que t'as raison, ma chérie, mais écoute-moi. On va rentrer à la maison, hein? Tu vas venir avec moi. Et puis demain, ta mère sera là, je lui dirai tout. Tout. Hein? Et puis je m'en irai après. Regarde-moi. Je m'en irai, je te promets. De toute manière, c'est ce qu'elle voudra, alors. Et puis toi aussi, je le sais. Mais c'est pas grave. Et après, on est rentré. Je l'ai aidé à se coucher, c'est tout. Essaie de dormir un peu. Caroline, pardonne-moi. Je ne sais pas qui a tué Caroline. Fragile, elle l'avait aguiché, il est peut-être abusé d'elle. Après ses aveux? Non, c'était pas le moment. C'est jamais le moment. Rose. Oui, je sais, excuse-moi. C'est un sujet un peu sensible pour moi. Et puis, je suis désolée pour hier soir, j'aurais dû t'appeler avant de passer. Non, non, ça c'était très drôle. Plutôt marrant. Et toi, l'opéra? Génial. Je connaissais pas, c'est fort, émouvant. Ce soir, c'est théâtre. On va avoir une pièce russe. Ah, bah si c'est en VO, tu vas te marrer. Et toi, t'as reporté ta soirée? Ouais, ce soir, on fait ça ce soir. Super. Bah écoute. On va passer une bonne soirée alors. Ouais, toi aussi, bien. Enfin, si t'arrives à... Tu sais, j'ai bien réfléchi pour Sonia. Faut pas que tu passes à côté. C'est vrai, parfois on se gourre, on fait le mauvais choix. On laisse passer sa chance. Fais pas ça. T'essaies de me dire quoi, là? Qu'il ne faut pas que je fasse comme toi? De quoi tu parles? Hey, Lucas, franchement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu ressens des trucs pour Sonia, laisse-lui une deuxième chance. Hein, on a tous droit à une deuxième chance, après tout. Non? Ah, parce que toi, tu crois à ça? Ouais, ouais, je crois. Ouais, je crois, ouais. J'en sais rien, tu m'embrouilles, là. Réponds pas. Ça va fumer. Hein.
Voilà ce qu'il y avait dans le téléphone de Diane, la copine, avant qu'elle ne l'efface. Caroline embrasse Dorval, il la raccompagne en voiture. Il aide à se coucher. Rien qu'on sache déjà. Alors pourquoi elle n'a pas voulu nous le montrer? Et qu'est-ce qu'elle voulait faire des photos? Alex, tu as le bornage de son portable? Ouais, à l'heure du meurtre. Vers 7h du matin, elle n'était plus chez Dorval. Elle était a priori retournée chez elle. Son portable borne à son adresse. Seulement la nuit, vers 3h, il a aussi borné au port. Dans le club de plongée de Diego Costa. Attends, mais nous, il nous a dit qu'il avait passé la nuit à réparer du matériel. Diane était aussi sa maîtresse. On a bien récupéré les photos et les vidéos de votre téléphone portable. Bon, ça correspond à ce que vous avez dit, hein, c'est très chaleureux. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Rien. Moi, je crois que si. Par exemple, que vous êtes venu voir Diego à son club de plongée, le jour où on a tué Caroline, votre amie. Vous avez bien défendu Diego. Sans doute parce que vous trouviez injuste ce que Caroline lui avait fait. Ouais, mais tout le monde aurait fait ça. Vous plus particulièrement. Pourquoi vous avez pas dit que vous étiez amoureuse de lui? Et alors? Je vois pas le rapport. Elle était avec lui. Je croyais que vous saviez pas avec qui elle était. Vous avez bien montré les photos et le reste à Diego. Seulement vous les avez effacées pour pas qu'on tombe dessus. Pour nous éviter de penser à Diego. Un réflexe pour protéger. Diego, il méritait pas ça. Caroline, elle était complètement malade. D'abord, elle l'a accusé de viol, alors qu'il a rien fait. Et en plus, après, ils sont sortis ensemble. Je les ai vus s'embrasser. Regarde. Tu m'emmerdes, Diane. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? T'es jalouse. Mais quand est-ce que tu vas comprendre? Elle se tape son beau-père, maintenant. C'est une malade. C'est pas possible, elle se tape pas son beau-père. C'est son passé, voilà. Elle essaye de savoir, c'est tout. Savoir quoi? Elle t'a dit qu'elle a appelé son beau-père pour qu'il la raccompagne chez lui? Elle a attendu que sa mère soit pas là, Diego. Mais putain, ouvre les yeux! Tais-toi! Tu dis n'importe quoi! Ok, bah si je dis n'importe quoi, dis-moi pourquoi elle se comporte comme ça dans la chambre alors! Dis-moi! Non mais c'est pas normal! Tu vois bien qu'elle est amoureuse, ça se voit! C'est juste qu'elle s'est fait prendre à son propre jeu, c'est tout! Moi, elle m'a dit qu'elle voulait se taper son beau-père, ok? Elle m'a dit! Regarde, y'a personne pour les voir là! Tu crois vraiment que c'est pour faire du mal à son beau-père ou à sa mère? Diego, ouvre les yeux, putain! Tu nous as caché ça parce que t'as eu peur. Parce que t'as compris qu'il pouvait y avoir que trois coupables. Sa mère, son beau-père, et surtout Diego. À qui t'avais tout montré, tout raconté. Et maintenant, il n'y a plus de doute. Ça peut être que lui. Diego! Diego, arrête! Je suis sur le bateau. Marco, tu viens avec moi. Arrête-moi! C'est bon, arrête-moi, je te dis! J'ai fui par réflexe. Diane m'a montré les images, alors quand j'ai su qu'elle était chez vous, je me suis pas fait d'idée, j'ai compris que vous allez me tomber sur le dos. C'est pas une raison pour fuir, ça. Et j'imagine que vous croyez que je l'ai assassiné, c'est ça? Par jalousie? Exactement, Diego. Et tu vois, je me dis que la petite Caroline, elle s'est quand même bien foutue de ta gueule. Et en voyant les images, t'as pas de raison de penser le contraire. En même temps, j'ai pas vu grand-chose. Je suis quand même. Caroline au bar, son embrassé Dorval, son beau-père. Voilà. Caroline dans la chambre, seule avec Dorval, en train de... Enfin bref. Voilà. Regarde ces photos. Regarde. Regarde les photos. Regarde ces putains de photos.
Maintenant, le clou du spectacle. Caroline à moitié à poil dans le jardin. C'est comme ça que vous l'avez vue. Presque nue, une bouteille d'eau à la main. Comme on se réveille après une nuit d'amour. Mais avec son beau-père. Je voulais les surprendre. C'était surtout après lui que j'en avais. Le salaud. Là. Alors comme ça, tu tapes ton beau-père? T'as pas pu t'en empêcher? C'était bon, au moins? Il te baise mieux que moi? Hein? Arrête ça, Diego. J'ai vu les images. Diane t'a filmé au bar. Et ici, là, dans ta chambre. Tu veux voir, peut-être? Elle a filmé quoi? Bah vas-y, montre! Mais ça t'excite, en plus. Tu lui as dit pour le bateau, ta mère dessus. Il a voulu te consoler. Oh, ma pauvre chérie. Ta mère est mauvaise, mais toi, t'es tellement bonne! Je croyais qu'on s'aimait. Bah moi aussi je croyais. Mais toi t'as tout foutu en l'air pour te le taper. Bah si c'est ce que tu crois. Si c'est ce que je crois. Diego! Diego! J'espère au moins que t'as pris ton pied là. Qu'est-ce que tu fais? T'es un malade ou quoi? Mais t'as bien pris mais ton pied fou. Mais arrête ça, mais Diego, mais, oh, mais qu'est-ce flippes. Que tu fous? Tu flippes? C'est pour ça que tu veux pas avouer? Dis-le-moi! Dis-le-moi qui t'a fait jouir! Dis-le-moi! Diego, on s'aime, n'oublie pas ça. Dis-le-moi! Les images. Et ce qu'elle m'a dit. T'as encore beaucoup à apprendre sur les femmes, Diego. Dire une chose. En penser une autre. Elle vous aimait. Après tout ce qu'elle a vécu. Et cette horreur. Il n'y a plus qu'une chose qui comptait pour elle. C'était vous. Caroline était prête à tout. Si Dorval avait dit oui, elle aurait sûrement couché avec lui. Enfin, son corps l'aurait fait, hein, pas sa tête. Une nana peut tromper son mec tout en l'aimant vraiment. Ça va, c'est bon, j'ai beaucoup de messages, Mickaël. Non, rien, c'est parce qu'on a eu une discussion au sujet hier soir, tous les deux. Hier soir? T'es pas une fiesta, toi? Si. Mais j'ai invité Martin. Hein? Je sors, par quoi, quand même, Rose? Et très belle fête au passage. Hein. Merci. Oui, lui, elle va. Oui. Allez, j'arrive. Bon, bah, bonsoir, à demain. Bonsoir, Rose. C'est quoi ça, non, mais Louis Alban, quoi, je... En même temps, c'est plus original que Lucas. Ah, mais je plaisante. Ouais, viens de boire une bière sur mon bateau, ça te changera les idées. Louis Alban. Ah, tu vois? Tout de suite.